Oui, vous ne rêvez pas, il s'agit là bel et bien du raisin. Là, on a un plan qui est issu des graines. Et puis, on a un autre plan là qui est issu de bouturage. Okay? Donc, nous allons planter ces deux plans et nous allons voir leur évolution ensemble. Alors, dans un premier temps, nous allons creuser les trous. Vous voyez, vous allez creuser un trou d'environ 30 sur 30. Okay? Donc, 30 cm de largeur avec 30 de profondeur. Et la deuxième étape, cela va consister d'abord à désinfecter le sol. Toujours et toujours, il faut toujours désinfecter son sol. Ok. Bon, là, vous pourrez le faire avec de la cendre. Moi, je vais utiliser un nématicide chimique dans la mesure où je sais que d'ici à la production de mes plants de raisin, n'est-ce pas, la période de rémanence ou alors la période de pestilence ou encore le délai avant récolte de ce nématicide sera déjà passé depuis belle lurette. Donc, je vais saupoudrer mon nématicide. En l'occurrence, le mocap. Par la suite, on va malaxer. Et après cela, on va ajouter de la fiente bien décomposée. Toujours et toujours et toujours. La matière organique est capitale. Okay? Si votre sol n'a pas de matière organique et que vous apportez même l'engrais chimique du monde, vraiment, ça n'aura pas d'effet, ça n'aura pas le même effet que quelqu'un qui a d'abord préalablement apporté de la matière organique avant d'associer à cela un engrais chimique. Donc on malaxe bien. Et ceci étant fait, nous allons prendre notre plant de raisin. Ok, donc ici nous allons mettre le raisin qui est issu de bouturage. Vous voyez, vous pouvez observer même encore la bouture qui est là. Donc là, je vais fendre la boîte dans laquelle il se trouve. Voilà. On va ouvrir ça comme ça. On va faire l'effort de ne pas casser cette motte de terre là. Ok? Vous voyez? Parfait. Vous voyez les racines en bas? Donc là maintenant, je vais faire un petit trou. Ok? Et je vais déposer mon plant. Toujours sans émietter la motte. N'émiettez pas la motte. Certains vont prendre cette motte-là à l'émietter. Non. Vous déposez comme ça. Vous voyez, je n'ai pas touché la motte et je referme. Je referme là. Voilà. Comme ça. C'est terminé pour ce premier plan. Voilà, je vais couper ces feuilles. Les feuilles qui sont, n'est-ce pas, vieilles là, je vais les couper toutes. Pour permettre à ces jeunes pousses de mieux s'épanouir et aux différents bourgeons qui sont là d'éclore pour nous sortir des nouvelles ramifications. Donc voilà, on va laisser comme ça. On va passer au second plan. Bien, pour le plan issu de graines, on va procéder de la même façon. On met d'abord le nématicide pour désinfecter le sol. On malaxe. Ceci étant fait, on ajoute la fiente bien décomposé. Bien, ceci étant fait, n'est-ce pas, je vais prendre mon plan. Et à l'aide de mon cutter, je vais, n'est-ce pas, déchirer mon plastique afin que ma motte de terre reste intacte. Vous voyez? Voilà, on déchire comme ça. Vous voyez les racines? Et là, je transporte délicatement ma motte vers son habitacle final, sans toutefois casser la motte, ok? Vous voyez? Voilà, il dépose comme ça. Et puis, je remets la terre. Toujours sans casser la motte, ok? Là, je referme comme ça. Voilà, je peux damer un peu les bords comme ça. Voilà, avant d'arroser, nous allons ajouter un peu de fiente décomposée encore au-dessus là. Là, au moins, on est sûr que notre plant a tous les éléments nutritifs dont il a besoin, n'est-ce pas, pour évoluer le plus rapidement possible. Nous terminons donc notre planting de raisin par l'arrosage. Un arrosage bien copieux. Voilà.
Magnifique.